Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons voir les premiers matchs du nouvel entraîneur et les nouvelles recrues du club. Coup de tonnerre à l'OM, le technicien argentin est de retour. Marcelo Bielsa est bien arrivé à l'OM. Ils se sont mis d'accord avec les dirigeants. Il a dit lui-même qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans l'effectif, mais qu'il y aura des résultats. Michy Batshuayi, lui, s'est dit très heureux du retour de Marcelo Bielsa. Il nous a aussi confié qu'il était bien à l'OM et qu'il comptait bien marquer le club. Benjamin Mendy, lui, se dit bien à l'OM. Il fait taire toutes les rumeurs sur son départ. Il a parlé avec Marcelo Bielsa et il lui a aussi confié qu'il comptait sur lui cette saison. Le club, quant à lui, participera à la Coupe Européenne Internationale en Angleterre. La première recrue pourrait bien être le prodige belge Youri Tielemans. Il se dit prêt à venir à l'OM, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le club. Le premier match de la coupe est contre le FC Krasnodar, l'OM écrase son adversaire 5-0 avec un beau triplé pour le français Georges-Kevin Nkoudou. Le deuxième match contre Hull City, cette fois c'est match nul avec un but de Thauvin et de Alessandrini. C'est officiel, Youri Tielemans est un joueur de l'OM, le transfert tourne aux alentours des 12 millions d'euros. Voici à quoi ressemblerait l'équipe jusqu'au prochain mercato. Le troisième match de la coupe est contre le Crivello Vérone, l'OM gagne 2-0. Le quatrième match est contre Bournemouth et c'est aussi une victoire 2-0, l'OM accède donc à la finale. Place à la finale contre son ancien adversaire le Crvena Zvezda, l'OM l'emporte 3-0 grâce notamment à la nouvelle recrue Youri Tielemans qui claque un doublé. Place maintenant à la Ligue 1, le premier match se déroulera au stade Vélodrome contre Caen, nous voyons l'effectif qui affrontera cette équipe. L'ouverture du score est pour l'OM sur un magnifique coup franc de Rémi Cabella. Et c'est encore lui qui vient doubler la mise à la 17ème minute sur une tête bien placée. Mais l'OM se fait surprendre à la 31ème minute sur une erreur du portier Steve Mandanda. Et c'est comme ça que se finit ce match sur une énorme domination de la part de Marseille, donc on peut dire que cette victoire est bien méritée. Rémi Cabella se dit très heureux du premier match et il espère continuer comme ça. Et voilà, le premier épisode est terminé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner pour plus de vidéos et à la prochaine!